Dans le cadre de la fête de la musique, la ville étant salée avec le Théâtre des Sables y invite Azote le mardi 21 juin 2022 à partir de 18h jusqu'à 23h, un spectacle musical au complexe sportif du centenaire. Il y aura l'association Écho des Fleurs, le groupe des jumeaux Gilbert Kondassami, Tiana, Blues à nous, Tilamonge, Nutracine, Sati et Kevja, Jade, Saint-Océan et Couleur Créole. Une programmation rythmée et variée y attend Azote. Bonjour à toutes. Alors nous continuons notre petite balade musicale, parce que aujourd'hui c'est la fête de la musique. Mais on profite pour souhaiter à vous un gaillard fête de la musique, vous êtes sur Radio Piquant. Et la fête de la musique, là aussi, s'il est en salé au stade Centenaire, donc à partir de 18h à soir avec plusieurs groupes que va faire cette prestation sur la scène. Nous aura l'Écho des Fleurs, nous aura Tiana, Tilamonge, Nutracine, Saint-Océan, Couleur Créole. Et tout ça jusqu'à 23h30 et nous reçoivent au fur et à mesure bonnes artistes donc pour présenter un petit peu ces petits faits. Et aujourd'hui, nous en avons le plaisir et l'honneur d'accueillir au studio un artiste qui fait partie d'un groupe, qui est même leader, mais pense que de ce groupe-là, il appelle Blues à nous. C'est du blues local, Blues La Réunion. Alors nous l'avons avec Alain. Alain, bonjour, comment il est ? Bonjour Patrick, bonjour à tous, merci de nous accueillir dans votre radio, je suis très touché et très content de pouvoir participer avec tous les habitants de l'étang salé à cette belle fête de la musique. Alors Blues à nous, parlons-nous un petit peu de Blues à nous, pourquoi déjà Blues à nous ? Alors on a hésité à l'époque quand on cherchait le nom du groupe, on était parti sur Dakatine Blues et puis après on s'est dit bon, le problème c'est que je voulais avoir le nom du blues dedans et que je voulais avoir cette lumière qu'on a dans la langue créole, donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une langue poétique, d'où le « à nous » dedans, alors du coup Blues à nous et hop c'est parti puisque goûte à nous, hein, ça fait partie de notre culture à tous et donc c'est un échange musical qu'on a commencé il y a quelques années avec un batteur que je connais depuis très longtemps. Alors il existe depuis quand Blues à nous ? Alors le groupe de musiciens qui se produit, hein, il existe depuis 2017, voilà. Certains sont partis, hein, ils ont fait leur propre chemin ensuite. Actuellement, on est les trois fondateurs sont encore là. Hein, je suis un des membres fondateurs avec le batteur qui s'appelle Eric et le bassiste Xavier. Et puis on a la chance d'être accompagné par un excellent clavier, Jean-Michel, et puis un jeune guitariste très talentueux qui s'appelle Yannick. Alors, Blues à nous, est-ce qu'il fait... Parce que le nom ben, est un petit peu créolisé quand même, Blues à nous. Même si à nous, il y a qu'à deux O. Alors, est-ce que ça t'y fait du blues aussi en créole ? Alors, on a deux choses qui sont en cours de travail et en cours de préparation. Mais comme sur les productions, voilà, comme vous savez, c'est un petit peu compliqué. On essaye de bien préparer les choses avant de les mettre en scène. Donc, c'est vrai qu'on a deux blues en français, qu'on n'a pas encore la finalisation du chant en créole, parce que c'est quelque chose sur lequel on voudrait être très précis, très méticuleux, parce que c'est très précieux. Alors toutes les choses précieuses, on a tendance à les... Pour l'instant, on est dans le polissage. Alors quel genre de blues as-tu fait ? Est-ce que tu fais un petit peu du blues à l'ancienne ou un petit peu plus moderne ? Alors on a vraiment un attachement très profond au blues traditionnel, c'est-à-dire à cette époque où les gens travaillaient la journée, et quand je dis travaillaient, le mot il est pesé, hein, ils travaillaient très très dur, et le soir ils auraient dû s'écrouler, épuiser, et pourtant tous les vendredis, tous les samedis soirs, ils faisaient la fête ensemble pour essayer de se réconcilier entre eux, pour partager des choses bien plus fortes que le travail. Et donc on est très attaché au blues des années 30, hein, qui sont des années particulièrement dures à cause de la crise économique d'une part, et puis à cause de la ségrégation et des violences raciales que vous connaissez tous. Hein. Les États-Unis ont été le lieu de discrimination très violente. Et nous, on est très attaché à montrer que l'émergence de cette musique, elle traduit une forme de libération. Hein, donc pour nous, cet épisode historique, il est très important. Donc on s'attache vraiment à propager un blues traditionnel, mais au travers de teintes très électriques, très modernes, puisqu'on va jusqu'à s'inspirer d'artistes actuels, comme M. Gary Clark, hein, qui est le représentant du blues le plus connu dans le monde actuellement. Alors, le blues et le maloya, est-ce que ces deux musiques-là, ils ont le même esprit ? Je veux bien.
par rapport à la souffrance, par rapport... Je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est vraiment, on est dans un moment particulier, encore une fois. C'est vrai que la crise, on sait ce que c'est. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une crise, même si on n'est pas dans les années 30. Et je crois que la souffrance, aujourd'hui, elle a besoin d'abord d'être assumée, et ensuite, elle a besoin d'être dépassée. Donc, je crois qu'il y a dans le Maloya aussi, pour moi, hein, dans mon écoute du Maloya, il y a une volonté d'assumer cette souffrance, de la dire, de la partager, et en même temps de montrer qu'elle ne nous tue pas, hein, qu'elle ne nous a pas affaiblis, qu'elle n'a pas fait de nous des victimes. Je crois qu'il y a, voilà, dans toutes les musiques, c'est vrai qu'il y a quand même cette émergence d'une énergie à chaque fois, et notre objectif, même si on est de simples musiciens amateurs, on est de simples camarades de jeu, hein, c'est quand même de partager cette énergie musicale. Alors, est-ce que vous avez fait aussi des reprises, par exemple, des artistes que vous avez admirés, que vous avez... Bien sûr, alors, pour être très honnête, je dirais que pour l'instant, 98% de notre répertoire, ce sont des reprises. Hein, ça va de B.B. King jusqu'à Robert Johnson. B.B. King, parce que à 18 ans, bah, quand il conduisait un tracteur et qu'il était encore fermier, hein, il était jeune fermier, il a vu un homme se faire tabasser et se faire lyncher juste parce que cet homme avait regardé une femme. Alors, faudrait-il ajouter que cet homme était noir et que la femme qu'il avait regardée était blanche? Quand il a vu ce lynchage, il s'est dit « Bon, mais moi, de toute façon, ma vie, elle est comme cette vie-là, elle est très fragile, il n'est pas question que je ne fasse pas ce que je veux faire. » Et donc, il s'est vraiment attaché à défendre ensuite une représentation de la musique. Enfin, c'est devenu B.B. King. Quelqu'un voilà, qui a vraiment marqué l'histoire de la musique. Il n'y a pas un film aujourd'hui où j'entends pas un petit extrait d'une musique de B.B. King, hein, ça montre l'attachement au blues qu'on peut avoir encore aujourd'hui à notre époque. Thrill is Gone. Quoi, voilà. Le choix de ce titre-là? Voilà, bah, écoutez, c'est un morceau qu'on reprend avec énormément de plaisir parce qu'il souligne cet attachement au fait que la peur, c'est quelque chose qui nous réveille dans la vie. C'est quelque chose qui nous dit c'est maintenant. Hein, il n'est pas question d'attendre demain, mais il ne faut pas que la peur nous paralyse. Il ne faut pas qu'elle nous empêche de grandir. Il ne faut pas que la peur nous rende méfiants et hostiles les uns envers les autres. Et c'est en ce sens que partager de la musique, pour moi, c'est la plus belle expérience qui soit. On va regarder un petit extrait de Thrill Is Gone, interprété par Bluzano. Et il nous revient tout de suite. Par Bluzano. Alors Bluzano sera sur scène à soir, hein, mardi 21 juin à l'étang Salé. Qu'est-ce que ça a proposé comme morceau ensemble? Alors ce soir, on a on a fait un choix qui est lié d'abord au fait qu'on ait plusieurs groupes et puis que le public va pouvoir découvrir différents genres musicaux. Donc on a essayé d'abord d'inscrire la tradition du blues dans l'attachement qu'on a pour les femmes. Hein, donc il y a un très beau morceau de Monsieur T-Bone Walker qui s'appelle T-Bone Shuffle, où il déclare à une femme qu'elle est très belle comme elle est et que surtout, eh bien, sans elle, hein, la vie ne serait pas ce qu'elle peut devenir, c'est-à-dire savoureuse et en même temps dynamisante. C'est le réveil de l'amour, hein, donc on a la chance de commencer avec ce petit morceau et de s'inscrire tout de suite dans la tradition pure blues avec Robert Johnson. On vous présentera ensuite un morceau de très connu qui s'appelle Sweet Home Chicago, hein, qui est, je pense, qui est un morceau très important pour tous parce que on a tous rêvé d'un endroit plus merveilleux, plus vert ailleurs. On croit toujours qu'ailleurs c'est mieux. Et ce morceau-là, il souligne la nécessité pour l'homme qui veut grandir parfois de quitter le territoire qu'il a connu pour s'aventurer sur des espaces nouveaux. Et on terminera la première petite partie du set par un très très beau morceau de Monsieur Albert Collins. Ça s'appelle Black Cat Bone. C'est sur la magie. C'est sur le charme, comment on jette un sort à quelqu'un pour lui permettre enfin d'avoir soit un petit peu de chance, soit de devenir invisible s'il en a besoin.
Et tout simplement, il faut le dire aussi, aujourd'hui à notre époque, ça compte peut-être même gagner un peu d'argent. Des fois, ça peut l'aider. Donc on essaiera déjà de partager ce côté bonnes ondes de la musique dans un premier temps. Et on va rentrer ensuite dans l'histoire du blues un petit peu plus dur, un petit peu plus agressif, avec, vous savez, ces traditions de bluesman qui voyageaient un peu à droite à gauche et qui rencontraient parfois des femmes qui étaient déjà mariées. Ça s'appelle Catfish Blues. On vous présentera ensuite un morceau qui souligne le fait qu'on a besoin d'être aidé. C'est un morceau de Monsieur Sonny Boy Williamson qui s'appelle Help Me, parce que sans un coup de main, aujourd'hui Patrick, vous m'accueillez dans votre radio, je vous en remercie, sans un petit peu d'aide, sans le public qui vient nous voir, sans le partage, on n'a pas beaucoup d'expériences qui valent la peine d'être partagées. Et on terminera avec une référence moderne au blues britannique qui a permis au blues afro-américain d'être connu dans le monde entier, avec un morceau de Monsieur John Mayall qui s'appelle « When the Devil Starts Crying ». Ça veut dire quand le diable commence à pleurer, parfois il faut se méfier. C'est pas le moment de rester là. Et donc voilà le programme pour nous pour ce soir. Alors le programme pour ce soir, donc le programme complet, et le programme pour l'avenir de Blues à nous. Alors on est très 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 content, je pense comme beaucoup d'entre nous, de pouvoir enfin poser les masques, de pouvoir enfin sortir et de recommencer à jouer. Beaucoup de musiciens en ce moment sont dans une période d'effervescence et de reprise d'activité. Et je pense aux entrepreneurs, je pense aux restaurateurs, je pense à tous ceux qui essayent aussi de se battre pour leur emploi, tous ceux qui ont aussi, hélas, subi le contre-coup de cette crise. Donc on est dans une période d'effervescence. Notre projet, c'est vraiment de recommencer à partager de la musique live, d'amener le temps du blues, c'est-à-dire le temps de l'amour, le temps du contraste, dans le quotidien, parce que on a besoin parfois de comprendre qu'il y a quelque chose de merveilleux d'un côté, quelque chose d'atroce et de misérable de l'autre, et pourtant, on peut vivre cette expérience-là. On peut être à la fois malheureux, profondément malheureux, et en même temps, profondément épris de dynamisme, d'énergie et d'envie de changer les choses. Et le blues est là pour souligner le fait que l'homme est ambivalent, il a cette force en lui. On peut surmonter tout ça ensemble. Est-ce qu'on a un projet d'album aussi ? Alors, je rêve, hein, comme je te disais, Patrick, tout à l'heure, je rêve, comme tous les membres de mon groupe, de pouvoir enregistrer, évidemment, quelques morceaux, de pouvoir travailler avec un studio, mais nous ne sommes que des musiciens amateurs, et pour l'instant, ça ne nous est pas encore arrivé. Hein. C'est ma première radio pour le groupe, et je vous remercie pour ça, c'est une expérience géniale. Et je remercie tous les auditeurs, évidemment, de Radio Piquant qui sont avec nous. Alors donc, nous rappelle un petit coup l'heure de notre passage. Alors on m'a dit qu'on passerait vers 8h normalement, hein, d'accord, donc on sera là un petit peu avant au cas où, mais à partir de 8h, on jouera 30 minutes, entre 20h et 20h30 normalement. Voilà, donc pour rappel à tout le monde que Blues à nous sera là 8h, et le programme va commencer à partir de 6h avec Écho des Fleurs, il y aura aussi Tiana, il y aura Tilamonge, Noutracine, Saint-Océan, Couleur, Créole. Alain, nous remercions à vous. Merci beaucoup, merci Patrick. Merci à tous les auditeurs. Et ben, nous donnons à votre rendez-vous bientôt, peut-être pour présenter à nous un album. Avec grand plaisir. Voilà. Merci à tous. Passez une excellente journée et bonne fête de la musique. Voilà, bonne fête à la musique à nous. Bonne fête à la musique à Zot. Nous en trouvons.